Je vous ai entretenu il y a peu du scandale politico-financier de Panama, survenu au début des années 1990. Eh bien, nous allons repartir aujourd'hui un siècle en arrière pour évoquer ce que fut la corruption à la faveur de la Révolution française. En effet, les grands ancêtres fondateurs exaltés dans les années 1880 n'ont pas forcément pratiqué les vertus romaines qu'ils mettaient en avant. Dès mai 1793, avant l'élimination des Girondins, Buzot, qui appartenait justement à cette tendance, eh bien voilà ce qu'il disait. Avec des phrases que nous connaissons très bien, il est très possible de tromper le peuple, de parler même de sans-culotterie et de piller le trésor public en amassant une grosse fortune. Voilà un premier diagnostic intéressant. Buzot, même à l'époque, réclame aux députés une déclaration présentant l'état de leur fortune, de leur patrimoine et son évolution depuis leur élection. Vous voyez, c'est une idée qu'on a vue réapparaître récemment, mais qui n'est pas vraiment nouvelle. Cambon lui répond que les fripons pourront difficilement dissimuler leur rapine et que donc il faut se rassurer à ce sujet. Mais en 1794, l'année suivante, les champions de la montagne que sont Vadier et Couthon reviennent à la charge et proposent la même chose. Ils réclament la création d'un tribunal censorial de citoyens élus dans les départements qui viendraient à Paris pour instruire toute plainte d'enrichissement illicite qui pourrait être lancé contre des députés. Bon, donc la République connaissait bien un phénomène de corruption parlementaire. Longtemps, la démarche hagiographique qui a accompagné l'histoire de la Révolution, chez les Républicains en tout cas, eh bien, a fait qu'on osait s'en prendre à la mémoire des grands ancêtres. Mais le fait simplement que Robespierre ait été surnommé l'incorruptible par ses contemporains en dit long sur ce que pouvait être la généralisation de la corruption chez les autres. L'argent sale a joué en fait un rôle décisif. Et nous le savons bien depuis assez longtemps. Déjà, Albert Mathiez s'était intéressé à la corruption sous la Révolution. Alors, il avait tendance à accabler Danton et à blanchir Robespierre, mais c'était déjà une première démarche significative. Et plus récemment, Olivier Blanc a bien mis en lumière ce phénomène dans son ouvrage « La corruption sous la terreur ». Alors, en effet, durant cette période, on a vu prospérer de nombreux escrocs, des spéculateurs opportunistes, des agents de l'étranger, des racketteurs à la protection lors des massacres de septembre ou sous la terreur, sans parler des représentants en mission qui se sont souvent comportés en pillards. À signaler aussi que les corrompus ont souvent été aussi ceux qui ont le mieux survécu à la séquence terrible de 1793-94. L'exemple typique, c'est Barras. Barras qui se vantait d'ailleurs, après avoir dilapidé la fortune familiale, d'avoir choisi le camp de la Révolution par pur opportunisme pour se refaire en quelque sorte une santé financière. Mais les choses commence dès l'époque de la Constituante. La Cour achète des politiciens. Le principal agent de cette action, c'est Omer Talon, qui, au nom du roi, et avec l'aide de son oncle maternel, Maximilien Radix de Sainte-Foy, va chercher à acheter des députés pour déconsidérer le corps législatif dans l'opinion publique. Et Louis XVI va verser beaucoup d'argent. 2 500 000 livres. En décembre 91, Brissot, Isnard, Guadet, Vergniaud, l'abbé Fauchet sont prêts à se vendre pour 6 000 livres par mois. Nous savons tout cela par Bertrand de Molleville, ex-ministre de la Marine de Louis XVI, qui a porté son témoignage sur cette question. En janvier 92, le projet est avancé d'acheter les 16 membres les plus influents de l'Assemblée législative. Pour 3 mois d'abord, puis peut-être pour toute la législature. Ça en dit long, là aussi, sur la situation. Mais Arnaud de Laporte, qui était
l'intendant de la liste civile au service de Louis XVI et le ministre de l'Essart également vont dissuader le roi de s'engager dans cette voie car ils considèrent que les éventuels récipiendaires de ses générosités ne présentaient évidemment aucune fiabilité. Si de l'Essart est assassiné à Versailles d'ailleurs pendant les massacres de septembre, alors qu'on l'a expédié d'Orléans à Versailles théoriquement pour le protéger, cela est peut-être lié à l'attitude qu'il a adoptée alors. Mirabeau, bien sûr, dès le printemps 90, c'est secrètement au service de la cour. Louis XVI a éteint ses dettes par un courrier de Laporte de mars 90. Nous savons que Mirabeau veut un revenu assuré de rente viagère et ou alors d'un immeuble, car il en a besoin pour l'avenir. Hein. Réalité qui est confirmée par une correspondance avec le comte de Lamarque où Mirabeau se vante d'avoir divisé les patriotes. Donc pour le compte du roi. Alors il faut compter aussi avec le rôle des puissances étrangères, hein, notamment le gouvernement anglais de William Pitt, farouchement hostile à la Révolution, et plus précisément le Foreign Office dirigé par Lord North, puis ensuite par Lord Grenville. Alors nous savons, par un rapport qui date de 1796, à l'époque qui suit Thermidor, un rapport de Charles de la Croix, ministre des Affaires étrangères, que la plupart des crimes de la Révolution ont été l'ouvrage de Pitt, et on verra l'influence, encore son influence à soulever les intrigants. Il est donc bien essentiel de subvertir les agents de cette cour perfide, dont le système constant est de prodiguer tous les moyens de corruption, ce qui lui assure un grand ascendant sur tous les hommes corrompus des quelques nations qu'ils soient. Donc l'Angleterre mise en cause. Alors tout cela se fait par l'intermédiaire des banques Taunton et Perrigo. Pitt a même fait établir un fichier des députés français endettés qui pourraient être intéressés par ces offres. Le conventionnel Benoît d'Angers sert d'intermédiaire auprès des vendus de la Convention. Et nous savons par Théodore de Lamette que Danton entretient des liens étroits avec l'Angleterre. En juillet 91, au moment de la fusillade du Champ de Mars, il part se réfugier en Angleterre. Il parle l'anglais. Son demi-frère et son cousin sont à Londres. Il est lié à Auguste Miles, agent d'influence du gouvernement anglais. Mais il n'y a pas seulement Danton. Santerre, dont on connaît le rôle qu'il a joué le 10 août 92, il est connu aussi des services anglais. Lord Grenville parle de lâcheté en 1793. Et entre 1789 et 94, il multiplie par 10 sa fortune et blanchit l'argent sale dans la maison de jeu de son beau-frère des Carrières. Après la chute de la monarchie, donc en 1792, William Auguste Miles avance des sommes importantes au ministre des Affaires étrangères Lebrun. Les Anglais financent le révolutionnaire sud-américain Miranda, qui est à Paris à l'époque, financent Pétion, Brissot, qui a rejoint en 1787 la Société philanthropique des Amis des Noirs, qui est financée sur la liste civile du gouvernement anglais, hein, cette ONG de l'époque, où on retrouve également Clavière, Pétion, Condorcet, Mirabeau, Rénal, Sieyès. Eh bien, elle fait en sorte que l'engagement, on dirait aujourd'hui antiraciste désintéressé, soit aussi rémunérateur. Mais en même temps, ça fournit un moyen de pression sur eux. Les liens de Dumouriez chez les militaires, les liens de Dumouriez et de Clark avec les services anglais sont également connus. Il n'y a pas que l'Angleterre. L'Espagne veut sauver la vie de Louis XVI en achetant les conventionnels, hein, par l'intermédiaire de la banque Le Coulteux, correspondante à Paris, de la banque Saint-Charles, créée à Madrid par François Cabarrus, le père de la future Madame Tallien. Hein. Et toute une manœuvre va être mise en œuvre par le chevalier de Canis pour essayer d'obtenir la grâce du roi, le sursis à son exécution. Hein. 500 000 francs sont ainsi remis, 500 000 livres sont remis ainsi au député Chabot, l'un des plus disponibles, dit-on, pour être corrompu. Alors,
on parle d'organiser une émeute pour sauver leur roi. Il y a la question de l'appel au peuple à propos de la grâce. Chabot était de ce fait l'agent de Danton qui voulait sauver Louis XVI, nous dit Théodore de Lameth. Et même Danton réclame 2 millions, lui, aux Anglais pour faire en sorte que soit promulgué un décret de déportation de Louis XVI. Mais là, ça commence à faire un peu cher et Pitt a refusé de payer. Quand le député de la Haute-Garonne, Marthe, réclame la mort mais pose la question du sursis, il est accusé de corruption et d'immoralité par Robespierre, ce qui en disait long sur les soupçons qui planaient sur l'Assemblée. En tout cas, l'or espagnol n'a servi à rien, mais il n'a pas été perdu pour tout le monde, on s'en doute. Hein. La guerre permettait aussi des profits considérables. Hein. Dumouriez, dont j'ai déjà parlé, tient à contrôler les marchés d'équipement et de ravitaillement de l'armée avec son ami l'abbé d'Espagnac, qui était par ailleurs un ami de Talleyrand, un ami de Danton également, et qui s'était transformé en fournisseur aux armées. Hein. Il payait en assignat ses propres fournisseurs après avoir reçu, lui, de la monnaie métallique. Il versait aussi des pots de vin considérables à Servan, le ministre de la guerre, jusqu'à 600 000 livres. Hein. Les représentants en mission se servent aussi tant qu'ils peuvent et vivent sur le pays. Le voyage de Danton en Belgique en décembre 92, janvier 93 va être pour lui très rémunérateur. C'est pareil pour le député de Haute-Loire Jean-François Delacroix. Même chose pour Westermann, le futur massacreur de la Vendée. Même chose pour Barras et Fréron à Toulon. Même chose pour Fouché et Collot d'Herbois à Lyon. Un autre moyen de faire de l'argent, c'est d'assurer sa protection à tous ceux qui peuvent craindre pour leur sécurité durant cette période, hein, lors des massacres de septembre ou pendant la terreur. On aura ainsi un ouvrage du secrétaire de Camille Desboulins, Roch Mercandier, intitulé « L'histoire des hommes de proie ou les crimes du comité de surveillance », rédigé donc par Roch Mercandier. Alors là, il s'agit de dénoncer ceux qui ont profité de leur position favorable pour s'enrichir. Alors Danton, Fabre d'Églantine sont mis en cause notamment pour les libérations qu'ils ont commandées contre de l'argent. On trafique également les certificats de résidence et les certificats de civisme. Bazir et Rover du comité de sûreté générale sont spécialement visés. Chaumette également à la commune, où lui s'est spécialisé dans le trafic des passeports. Anacharsis Klotz, le fameux philanthrope cosmopolite, protège les ci-devant dénoncés contre-argent, et toute cette affaire va durer au moins jusqu'au procès des indulgents, des dantonistes, au printemps 1794. Quand la Grande Terreur s'est déclenchée, la protection a coûté plus cher. André Dumont, représentant en mission à Amiens, va protéger les aristocrates locaux, mais ça lui permettra ensuite de s'acheter à Abbeville l'hôtel du Plouy, par exemple. Et les victimes, ou ceux qui risquent d'être les victimes de la Terreur, qui bénéficient ici ainsi de défenseurs officieux, les appellent en fait en parallèle les vautours. On va créer également à l'époque des maisons de santé où des gens qui seraient normalement promis à l'échafaud vont être mis en quelque sorte à l'abri au moins pour un temps, tant qu'il est possible de les racketter, tant qu'il leur reste des ressources. Et puis au printemps 94, à la faveur de la terrible roi terroriste de Prérial, eh bien l'épisode de la conspiration dans les prisons fera qu'on pourra faire disparaître un certain nombre de témoins survivants de ce genre de pratique. Alors le cas de Danton est assez emblématique, hein. Soudoyé par la cour, payé par l'Angleterre, acheté par l'Espagne au moment du procès de Louis XVI, enrichi à un moment de sa mission Belgique. Il protège les suspects dès l'été 92. Hein, il est ministre de la Justice dans la commission exécutive qui se constitue après le 10 août. Hein, et nous sommes là à la veille des massacres de septembre. Et il est révélateur que lors de la loi du 11 Vendémiaire en 4, qui a réhabilité les Girondins et Camille Desmoulins par exemple, eh bien, c'était une loi contre les excès terroristes. On a oublié, comme par hasard, Danton, Bazir, Chabot, Fabre d'Églantine, par exemple. Hein. Il n'empêche que
en 1885, quand la charte d'histoire de la Révolution française est créée à la Sorbonne, Hollard va faire de Danton le héros républicain par excellence, et en 1893, sa statue sera installée place de l'Odéon, où elle est toujours. Hein, Danton présenté un peu comme l'ancêtre de Gambetta. Or, nous savons qu'après avoir acheté une charge d'avocat en 1789, acheté à crédit d'ailleurs, hein, eh bien, Danton, qui n'a traité qu'une vingtaine d'affaires ensuite jusqu'à la Révolution, va récupérer un certain nombre de fonctions, administrateur du département de Paris, puis substitut du procureur de la commune de Paris, ministre du 10 août et jusqu'en septembre 92, député à la Convention pendant 19 mois, ce qui ne lui assurait pas des ressources considérables, mais il n'empêche qu'il va, à l'issue, posséder une centaine d'hectares dans l'Aube, ce qui est considérable à l'époque, quatre maisons, qu'il assure une rente à sa mère et à sa nourrice, et qu'il achète au comptant des biens aussi nombreux que divers. Dans la commission exécutive, à partir du 10 août, il puise dans les fonds secrets. Ses compagnons hésiteront à l'innocenter par la suite. Même chose pour Servan, le ministre de la guerre. Danton est compromis dans le scandale de la Compagnie des Indes avec son ami Fabre d'Églantine. Hein, et des accusations très graves seront lancées alors contre lui par Cambon. Alors les turpitudes pécuniaires, comme on dit à l'époque, continueront encore après Thermidor. Les vertus romaines dont entendaient se parer les leaders révolutionnaires, on voit bien leurs limites. En fait, cette révolution a été dans une large mesure le fait d'aventuriers cyniques et avides, dont bien peu eurent leur souci de l'État et de son service, mais qui étaient motivés surtout par la quête du pouvoir et de la fortune. Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Max Schiavon, qui est déjà venu à notre émission, qui est militaire, colonel, et qui est avant tout aujourd'hui historien militaire, qui nous a donné plusieurs biographies majeures ces dernières années. Je pense notamment à celle du général Georges, celle du général Corap. Il nous a donné également un ouvrage consacré à Mussolini, chef de guerre, et il nous propose aujourd'hui un ouvrage intitulé « Végan l'intransigeant » aux éditions Talendier, qui était un peu nécessaire car nous n'avions pas jusque-là de biographie vraiment complète de Maxime Végan. Là, il s'agit d'un pavé de près de 600 pages qui est le résultat d'une enquête très approfondie, d'investigations très poussées et qui va nous permettre de mieux cerner la personnalité et le rôle du personnage, hein, sachant que un certain nombre de controverses ont accompagné l'histoire du général Végan, du fait de son rôle en 1940 notamment. Alors, Max Schiavon, vous vous êtes intéressé à Végan, après vous êtes penché sur d'autres chefs militaires. J'annonce déjà d'ailleurs que vous allez publier bientôt une biographie du général Hunziker, le général de l'armistice du 22 juin 1940. Vous êtes penché donc sur un certain nombre d'autres chefs militaires. En quoi cette biographie de Végan, vous connaissez très bien l'histoire de la période, vous a paru tout à fait nécessaire? Végan est un personnage connu depuis longtemps. Certains auteurs ont déjà écrit sa biographie, et notamment Christian d'Estrémo en 1989. – Oui, ce qui fait déjà 30 ans. Donc 30 ans, il était temps de porter un nouveau regard sur le sujet. – Alors globalement, si vous voulez, j'ai utilisé la bibliographie nouvelle. On a notamment également trois auteurs anglo-saxons qui ont écrit sur Végan. Mm-hmm.
On a des journaux qui sont sortis depuis 30 ans, je pense notamment à celui de Margerie, Le Diplomate. Mmh. Il y a des tas d'autres livres qui abordent Végan, donc nous avons appris des informations nouvelles. Mais surtout, la famille Végan, les petits-enfants, m'ont autorisé à consulter toutes leurs archives restées dans la famille. Et donc, ça apporte des choses extraordinaires. Pour ne prendre qu'un exemple, durant toute sa très longue carrière, le général Végan a été séparé de son épouse pendant 15 ans. Entre les manœuvres, les exercices, les guerres, les séjours, les missions, il a été séparé de sa femme 15 ans. Et durant ces 15 années, il lui a écrit quotidiennement. Et la famille conserve dans une énorme malle toutes les lettres envoyées et reçues. Et dans ces lettres, il se livre. Et je suis le premier qui a pu en prendre connaissance. – Qui a pu exploiter ce fonds documentaire. – Ce qui m'a pris énormément de temps. – Exceptionnel, oui. Alors, Végan, d'abord il faut rappeler, pour nos jeunes générations, surtout d'auditeurs, quel a été son parcours. Qui est-il? Il y a certaines incertitudes qui pèsent sur sa naissance. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet-là? Alors avant effectivement de retracer tout son parcours qui est un vrai roman, on peut effectivement parler de sa naissance qui a intéressé pendant très longtemps et qui maintenant n'intéresse plus les jeunes générations qui ne connaissent pas le personnage. Car Végan est né de père et de mère inconnus. Donc ça interpelle, dans la mesure où on s'aperçoit immédiatement que tout a été fait pour cacher le mystère de sa naissance. Il est né officiellement le 21 janvier 1867 à Bruxelles, de père, je l'ai dit, et de mère inconnue, et il est déclaré comme tel à l'état civil belge, ce qui est interdit par la loi, puisque la loi prévoyait que le procureur du roi devait être prévenu dans ce cas-là. Ça n'a pas été le cas. Donc il a bénéficié, on s'en aperçoit, je suis obligé de résumer parce que toute l'émission ne suffira pas, il a bénéficié d'appui haut placé et la Cour de Belgique est en cause dans cette affaire-là. Oui. Le médecin accoucheur, c'est le docteur Losseda, un ancien député français, républicain, proscrit, mais qui est médecin officieux de la Cour, qui rend des services à Léopold II, le roi des Belges. Bon, tout ça fait qu'il y a beaucoup de mystères. On s'aperçoit aussi que beaucoup de personnages liés à l'expédition du Mexique, donc à Maximilien Ier et à Charlotte, son épouse, sont dans l'entourage de cette naissance. D'accord. Globalement, pour résumer, parce qu'on est obligé d'aller assez vite, on a pratiquement identifié son père, qui devrait être le baron van der Smissen, un général qui était chef de la Légion belge au Mexique, qui a accompagné donc Charlotte, qui était la fille du roi des Belges, épouse de Maximilien. Sa mère, il y a eu pendant très longtemps deux options. Soit Charlotte du Mexique elle-même, mais elle aurait accouché de son enfant lorsqu'elle est revenue en Europe au château de Miramar, mais elle avait des problèmes psychiatriques. Et selon les dernières informations d'un médecin américain qui l'a soigné et qui a laissé ses cahiers, l'information date d'un ou deux ans, celle que je vous donne, ça ne pourrait pas être Charlotte qui a enfanté. Ça ne pourrait pas être Charlotte, puisqu'il écrit des papiers tout à fait privés sur elle dans ses archives de ce médecin américain. En revanche, donc, sa mère serait une dame d'honneur de Charlotte, princesse Zichy Metternich, donc la fille du célébrissime Clemens von Metternich, le fameux ministre et premier ministre autrichien. Ah oui. Voilà. C'est un recoupement, je suis obligé de résumer. Voilà. Donc il descendrait à la fois d'une branche hongroise et puis d'une branche belge. – Alors, il est né en Belgique. – Il est né en Belgique. – Il s'appelle Végan. – Il s'appelle… Que s'est-il passé ?– Il ne s'appelle pas Végan, il n'a pas de nom. C'est ça qui est très très curieux à cette époque. Il s'appelle Maxime. Il est élevé pendant ses premières années à Paris, c'est assez flou jusqu'à l'âge de ses 6 ans, et puis il part à Cannes, où là il est élevé par une dame qui s'appelle Madame Denimal, et rapidement ça deviendra Denimal en deux noms avec une particule. Mais il porte toujours ce nom, donc c'est le sieur Maxime, dit Denimal. Il suit sa scolarité à Paris dans des collèges prestigieux et en banlieue parisienne, au lycée de Vanves, futur collège Michelet, à Louis le Grand, et rapidement sa vocation militaire apparaît, il veut faire Saint-Cyr. Mais il est obligé de faire Saint-Cyr à titre étranger. Et là on va avoir des tas d'interventions
afin qu'il puisse suivre cette scolarité. Il va être placé non officiellement chez un tuteur à Marseille, David Cohen, qui est un Espagnol commerçant installé à Marseille, qui commerce avec la cour de Belgique. Tout ça, c'est un fatras de relations très compliquées. Maurice Rouvier va intervenir. Il reçoit de l'argent de Belgique que touche Cohen pour pouvoir l'élever à Paris. Et finalement, il apparaît que s'il est naturalisé français, il pourra plus facilement faire une carrière militaire. Et le comptable de Cohen à Marseille accepte de reconnaître Weygand comme son enfant naturel, ce qui n'est pas, moyennant la somme de 60 000 euros d'aujourd'hui. – Le comptable qui s'appelait Weygand. – Le comptable s'appelait Weygand, lui-même originaire d'une famille d'Alsace, qui avait émigré à Marseille après 1860. – Après l'annexion. – Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. D'accord. Et donc Weygand, là j'enchaîne sur toute sa carrière, très rapide, vous me poserez les questions pour approfondir certains points. Weygand fait Saint-Cyr, il est très bien classé, il avait monté à cheval quelque peu avant de rentrer en école militaire, mais là, il découvre la cavalerie, et l'admiration et la passion pour le cheval. Donc il choisit la cavalerie, ensuite il fait Saumur, il fait une carrière au 4e Dragon à Chambéry, à Saint-Étienne, puis il est muté dans la cité des cavaliers à Lunéville. – Ah, Lunéville. – Et là, il fait merveille, il découvre la frontière, puisque Lunéville est à 25 km de la frontière à l'époque. – C'est vrai. Il devient également officier de camp d'un général qui le repère. Il part faire le cours des capitaines à Saumur, donc ce qu'on appelait le cours de franchissement de grade comme lieutenant ancien. Il sort premier. Et donc là, quand on sort premier de ce cours, on est repéré, on passe capitaine rapidement. Il épouse la fille de son premier chef de corps, le colonel de Forsens. C'est un mariage d'amour. À l'époque, ce n'est pas un mariage arrangé. C'est un mariage d'amour. Il repart à Saumur comme chef du cadre bleu. Il y avait à l'époque le cadre noir, les experts en équitation, le cadre bleu, les experts en tactique militaire de la cavalerie, de la cavalerie. Comme il est repéré, il est désigné pour le CHEM, le Centre des hautes études militaires, alors qu'il n'a pas fait l'école de guerre. Ah oui. Officieusement, il sort premier. Ce qui était exceptionnel. Oui, Weygand voulait faire une carrière dans les régiments. Il voulait faire une carrière de troupe et il voulait surtout pas servir dans les états-majors. Mais quand on lui a proposé le CHEM, là, tout le monde lui a dit, avec les capacités que vous avez, il faut vraiment que vous acceptiez. Donc il n'a pas été breveté à l'école de guerre, mais du CHEM. Du CHEM. D'accord. Et il sort premier du CHEM. Donc Joffre le reçoit et Joffre lui dit, que voulez-vous faire? Et Weygand lui dit, je souhaiterais commander un régiment de cavalerie. Monter à cheval. Et Joffre tape sur la table et dit, nom de... vous n'êtes pas destiné à commander qu'un régiment de cavalerie. Et puis il le laisse partir. La guerre de 14 éclate, il est à ce moment-là commandant en second d'un régiment de hussards à Nancy, mais ça dure 3 semaines. Au bout de 3 semaines, Foch, qui est le commandant du 20e corps d'armée, le fait appeler et lui dit, venez avec moi, le général Joffre va me confier une mission. Ils partent à Vitry-le-François, qui est le premier grand quartier général de Joffre. Et là, Joffre confie à Foch le détachement d'armée qui va occuper les marais de Saint-Gon. Qui va devenir la 9e armée. Qui va devenir la 9e armée. Et Weygand est le plus ancien du petit groupe d'officiers qui l'entourent. Et il devient chef d'état-major. Et Foch dit, soit il fera l'affaire, soit je m'en séparerai. Mais Weygand fait de suite l'affaire. Et ils vont constituer un binôme, un petit peu comme Berthier et Napoléon l'ont été à leur époque. – Et il va rester aux côtés de Foch jusqu'à la fin de la guerre. – Il va rester aux côtés de Foch jusqu'en 21, 22. Donc il va faire toute la guerre, il va passer colonel, général de brigade, général de division, et terminer en 18, major général des armées alliées. – Et il est présent à la signature de l'armistice. – C'est lui qui il dicte. Les conditions de l'armistice à la délégation allemande dans le wagon de Rotonde, de Compiègne-Rotonde. Ouais. Et Weygand, cette guerre de 1914, pour lui, va lui valoir dans l'opinion un certain prestige. Il est connu à l'issue de la guerre. Il fait partie des chefs militaires qui sont considérés, même s'il n'a pas été commandant d'armée. Voilà. Il regrettera toute sa vie de ne pas avoir commandé une brigade ou une division, mais il est reconnu, ses portraits apparaissent partout, dans l'illustration notamment, il a son portrait, il apparaît toujours aux côtés de Foch, et Foch dit en plaisantant, c'est pas moi qui ai écrit cette note qui a permis de gagner la guerre, voyez Weygand. Mais il a quand même été, autant que je me souviens,
souviennent un petit peu critiques à l'été 14, lors de l'offensive du 20e corps dans les étangs de Lorraine, quand la 2e armée donc, se lance à l'attaque et avec Foch fonce un petit peu en avant, oui, au risque de se trouver en situation de faiblesse face à la réaction allemande. Alors Weygand n'a pas dit grand-chose sur le sujet, mais c'est effectivement la polémique Foch-Castelnau de l'obéissance, des ordres. Oui. Foch dira « je n'ai pas reçu l'ordre, l'ordre était parti ». On ne le saura jamais. Il y a deux écoles qui s'affrontent et qui s'affrontent encore aujourd'hui. D'accord. Et alors, donc, la guerre de 14 est terminée, mais la carrière militaire de Weygand ne l'est pas loin de là, puisque nous allons le retrouver bientôt, jouer un rôle tout à fait décisif en 1920 en Pologne. En Pologne. Alors, lorsque les traités de paix sont en cours de signature, la frontière de la Pologne est déterminée, et bien déterminée à l'ouest, mais à l'est, c'est la fameuse ligne Curzon, du nom du ministre des Affaires étrangères britannique. Elle n'est donc pas très bien définie, c'est une ligne provisoire qui devrait être fixée lors de traités. Le commandant, enfin le général qui dirige la Pologne, c'est Pilsudski. Voit une opportunité dans la faiblesse de l'URSS, ce qui n'est pas encore l'URSS, la Russie rouge, qui est en pleine guerre civile, bon, même si les Russes blancs sont en train de perdre. Lui, il a une armée qui est reconstituée à partir de forces qui étaient autrichiennes, polonaises, tchèques, etc. Mais les Polonais se sont tous regroupés, même allemandes. Et il en profite pour attaquer l'Ukraine, et il s'empare de Kiev. C'est-à-dire qu'il rêve de reconstituer la grande Pologne des Jagellons allant de la Baltique à la mer Noire. Voilà, il veut pousser le plus possible les frontières de la Pologne à l'Est. Un gros appétit au sortir de la guerre. Très gros appétit, disproportionné avec ses moyens. Il se trouve que Trotsky arrive à commissaire du peuple à la guerre, arrive à reconstituer une petite armée rouge, et il contre-attaque. Et les Polonais, qui ont mal étudié leur affaire, sont obligés de reculer, mais la retraite se transforme vite en presque débâcle, et Pilsudski est obligé de faire appel aux alliés. À ce moment-là, le conseil interallié se réunit à Versailles, décide qu'il ne peut pas envoyer Foch parce que le prestige de Foch serait mis en cause, sachant que la situation est critique, on décide d'envoyer Weygand. Alors, on décide d'envoyer Weygand parce que c'est le plus compétent, mais surtout parce que les alliés ont très peur. Ils ont très peur parce que les Trotsky et les dirigeants russes ont pris contact avec les dirigeants allemands en disant « si on envahit toute la Pologne, qu'est-ce qui se passe si on arrive à la frontière allemande ?» Et les alliés ont donc peur qu'il y ait une association entre les Allemands et les Russes, même si le mouvement spartakiste a été vaincu en Allemagne. Mais ils ont peur, et les alliés ont très peur qu'une révolution générale… – Il y a d'un côté aussi la perspective de l'international communiste qui vient de se constituer, mais il y a aussi le fait qu'on verra se concrétiser en 1922 de l'accord de Rapallo, c'est-à-dire la Russie soviétique et l'Allemagne de Weimar, qui, les méchants sur la scène internationale, risquent de se réunir éventuellement contre l'ordre nouveau établi par les traités de 1919. – Exactement. Et Tukhachevski, qui est un des généraux russes, dit que la révolution mondiale passe sur le cadavre de la Pologne. Voilà. Donc, Weygand joue un rôle majeur, qui a souvent été occulté alors, par les Polonais, qui ont toujours une fierté à fleur de peau, mais également par Weygand lui-même. Sa femme Renée, la fille du général de Forsans, est d'origine polonaise. La grand-mère était une famille noble polonaise. Ouais. Et il avait conscience qu'il fallait que la Pologne, donc reconstituée, les Polonais du XXe siècle, aient confiance dans leurs dirigeants. Et il a volontairement masqué son rôle. Mais j'ai retrouvé dans les archives familiales son dossier et toutes les notes… – Cette préoccupation-là. – Voilà, cette préoccupation et aussi toutes les notes de service, les ordres militaires qu'il a donnés et qui sont… Évident, tous les jours, il donne les ordres qui sont retranscrits en polonais et qui sont transmis aux armées polonaises. C'est donc bien lui l'initiateur du miracle de la Vistule. Alors cette mission militaire française qui est envoyée en soutien à l'armée polonaise, ça représente quel volume, quel effectif ? Elle existe avant que Weygand arrive, elle est dirigée par le général Henri et elle comprend notamment un certain capitaine Charles de Gaulle. – Capitaine de Gaulle, Ce sont plusieurs centaines. – Qui vient de sortir de captivité. – C'est ça, d'Ingolstadt. – Donc, ça leur représente plusieurs centaines de personnes qui irriguent, qui sont placées dans toutes les divisions, les corps d'armée, les armées de l'armée polonaise. Donc, ils ne commandent pas directement, mais ils soutiennent fortement, ils organisent les forces, et ils,
ils font une transmission d'ordre jusqu'à la base, jusqu'au régiment. Et c'est là que se produit le miracle de l'Assomption du 15 août, qui voit la victoire des armées polonaises sur les Russes. Victoire, en fait, un peu inattendue. Ah, inattendue. Les Polonais avaient tellement peur que même Pilsudski, qui est un satrape, un autocrate, est prêt à donner le commandement général à Végan, mais il refuse toujours pour la même raison, pour que les Polonais aient confiance dans leurs forces. Voilà, ouais. Par contre, Végan reste à l'état-major central avec le général Rozwadowski, et Pilsudski part au sud prendre le commandement d'une armée qui attaquera sur le flanc. Pendant quelques jours, donc, Végan et Rozwadowski commanderont l'ensemble des armées polonaises. – D'accord. Et alors, cette victoire obtenue en Pologne, est-ce qu'elle a un retentissement dans l'opinion en France? Est-ce qu'elle donne à Végan un prestige plus considérable ?– Oui, Végan est attendu à son retour fin août par des milliers de personnes à la gare de l'Est. Il revient en train, il a traversé l'Allemagne. Oui. Et surtout, à partir de ce moment-là, les communistes vont lui voudront une haine féroce. Il deviendra pour l'humanité le général des Cosaques. Il est détesté par il est assimilé à un complice des armées blanches. Exactement, exactement. D'accord. Et alors, il rentre en France, donc, après cet épisode glorieux de la campagne de Pologne. Et à ce moment-là, quelles vont être ses fonctions? Quel va être son rôle dans les années qui suivent? Alors, le gouvernement lui reconnaît sa victoire et le promeut général de corps d'armée et lui donne la plaque de grand officier de la Légion d'honneur. Quelques mois après, il est nommé haut-commissaire au Levant. Oui. Il remplace Gouraud et donc il va diriger ce qui est aujourd'hui la Libye, Liban et la Syrie. Il va faire des miracles. Il va faire des miracles en 18 mois. Les affaires étrangères qui sont toujours... les diplomates sont toujours suspicieux vis-à-vis des militaires reconnaîtront qu'il aurait fait un excellent administrateur. En 18 mois... On se demande comment il a fait. Il va tripler les rendements agricoles. Il crée 19 chantiers archéologiques. Il crée le musée arabe de Damas, le musée archéologique du Liban. Il fait venir 40 à 60 000 touristes égyptiens, l'adduction des égouts à Beyrouth. Enfin, il lance des travaux dans tous les domaines. Auparavant, il a rétabli la sécurité. Oui. Et les deux gouvernements sont installés, des députés locaux sont élus. Donc, il fait merveille. Mais lorsque le cartel des gauches revient au pouvoir... En 24. On le rappelle pour placer Sarraï. C'est ça. Comme dirait Edouard Herriot, Sarraï a été injustement limogé, ce qui est totalement faux. Chaque fois qu'il a été limogé, c'était mérité. C'était pour de bonnes raisons. Et donc on met Sarraï, un des rares généraux républicains, entre guillemets, de gauche, à sa place. Ouais. Et il ne fera pas l'affaire qu'on pouvait s'y attendre. 10 mois après, ils seront obligés, le cartel des gauches sera obligé de relever Sarraï, parce qu'il se révèle incapable, sectaire. Et on appelle qui à ce moment-là après le Il me semble que c'est Jouvenel, de tête. Il me semble que c'est Jouvenel, de Jouvenel. Oui, parce que Sarraï, c'était l'homme des réseaux républicains, des réseaux parlementaires de gauche, et pourtant sa prestation à la 3e armée en septembre 14 n'avait pas été concluante. C'est Clémenceau qui le relève. Ou c'est Clémenceau, pourtant homme de gauche s'il en fut, qui le relève pour le remplacer par Guillaume. Par Guillaume, pendant 6 mois. Et alors donc, Végan, il y a cette séquence libanaise qui évidemment est importante. Le voilà rentré en France en 1924 et désormais quel va être son parcours? Alors il va être nommé immédiatement directeur du CHEM, du Centre des hautes études militaires, le fameux centre où il avait fait un stage, juste avant, en 1913, juste avant la guerre de 14. Et là il va imprimer sa marque vers la motorisation, vers les débarquements, l'étude des débarquements. Oui. Voir celui d'Alhucemas pendant la guerre du Rif. Voilà. C'est le premier à avoir fait intervenir des conférenciers civils. C'est le premier à avoir invité des dirigeants politiques, des ecclésiastiques, de grands patrons, des scientifiques. Oui. Des académiciens. C'est l'IHEDN avant la lettre, un petit peu. C'est un petit peu l'IHEDN avant la lettre, alors que ce n'est à l'époque que le CHEM. Mais il voulait que les lieutenants-colonels, et généraux, jeunes généraux stagiaires aient une ouverture d'esprit. C'est ça, et soient en contact avec la société réelle. Voilà, il va rester là jusqu'en 30. En 30, il est nommé chef de l'EMA, de l'état-major de l'armée. Oui. Et en 31, il devient chef d'état-major. Vice-président du Conseil supérieur de la guerre, c'est-à-dire, et inspecteur général, c'est-à-dire généralissime désigné en cas de guerre, il arrive au sommet de la hiérarchie. C'est ça. Mais le gouvernement, n'ayant pas confiance dans sa loyauté républicaine, place à ses côtés le général Gamelin.
Gamelin, oui. Donc il n'a pas tous les pouvoirs qu'avaient ses prédécesseurs, et notamment pas les pouvoirs qu'avait Joffre avant 14. Donc il y a une dualité de commandement au sommet de l'État, puisque Gamelin, chef de l'EMA, a comme chef Weygand, mais aussi le ministre. D'accord. Et Gamelin peut rendre compte directement au ministre sans passer par Weygand. Donc ce n'est pas très sain au niveau organisationnel. Ouais, pour des raisons politiciennes. Pour des raisons uniquement politiciennes. Et alors quels étaient les diagnostics établis par Weygand et les projets qui étaient les siens durant cette période? Parce que c'est important par rapport à ce que nous avons connu ensuite. Weygand fait un diagnostic juste de la situation, et notamment, il fournit au gouvernement l'état du réarmement allemand avant l'arrivée d'Hitler. Ça, c'est quelque chose qui est rarement souligné. Oui. L'Allemagne a commencé à réarmer avant l'arrivée d'Hitler. Donc il fournit ces états au gouvernement, mais le gouvernement refuse d'engager un réarmement. – Nous sommes à l'époque de l'ère Briand-Stresemann, du rapprochement franco-allemand. – Voilà, c'est encore le pacifisme, et que ça durera jusqu'en 1939, mais imprègne encore plus profondément la société à cette époque-là. Et surtout, la crise de 1929 est arrivée tardivement en France. En France. Et donc il faut couper dans les budgets, dans les crédits, la défense assure 50% des coupes budgétaires. Donc Weygand se heurte à ça, il fait fabriquer des tas de prototypes, tous ceux qui seront en service, la plupart, 90% des matériels en service en 39-40, ce sont des prototypes qu'a fait fabriquer Weygand, comme le canon de 25, le char Saumua, les automitrailles de découverte, de combat, etc. Mais le char B1, mais il ne peut pas les faire produire en série. Pour cause de budget. De budget. Bon, on pourrait en discuter aussi. Et puis on a fait le choix de la ligne Maginot aussi. Alors, voilà. Donc toutes les forces de mouvement, on les laisse de côté profit d'une stratégie défensive. De 30 à 35, c'est la pleine construction de la ligne Maginot. Oui. Entre guillemets, il la poursuit, il donne son aval à la poursuite parce qu'il est persuadé que si, comme il le voudrait, on transférait ses crédits de la ligne Maginot vers les forces motorisées, il serait coupé par le Parlement. Tandis qu'il est sûr qu'il voterait les budgets pour la ligne Maginot. Donc, il faut terminer la ligne Maginot. Il faut terminer la ligne Maginot. Alors, il fait enclencher la motorisation. Il se heurte aussi, pas qu'aux politiques, il se heurte à un certain nombre de généraux passéistes qui ne voient l'avenir que dans le cheval. Et pourtant, c'est un homme de cheval. Et lui, il dit « J'adore le cheval. Oui, c'est une bonne école d'éducation, de discipline. C'est un sport, mais il faut aller vers le moteur. » Et ça, il l'a écrit dès 21. Bien sûr, il ne peut plus grand-chose contre la puissance de feu, le cheval. Voilà. Contrairement à ce qu'on dit également, il est pour l'aviation. Oui. Mais il voit bien que les aviateurs, pour exister, veulent se séparer à tout prix de l'armée de terre. Et ce qu'ils craignent arrive, c'est-à-dire que les aviateurs ne pensent qu'au bombardement stratégique et pas à l'appui direct. Et pas à l'appui des troupes au sol. Voilà. Et nous n'aurons pas l'équivalent du Stuka qui existait pourtant. Ouais, c'est ça. Avec le Lyurinopol. Il est un peu sur la même ligne dans ce domaine que le maréchal Pétain. Parce que Pétain a fait des conférences, notamment à l'école de guerre, où là aussi, il souhaite une orientation vers la motorisation et vers le renforcement de la force aérienne. Oui, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas eu que des généraux passéistes, et on a beaucoup écrit pendant l'entre-deux-guerres. Et Pétain, vous le dites, est pour l'aviation, et pour la motorisation, et pour une organisation nouvelle des armées, avec un chef d'état-major des armées, capable de faire des choix budgétaires, parce que c'est l'époque aussi où on construit énormément pour la marine, et beaucoup de grands chefs disent « Nous n'avons pas besoin d'autant de navires, parce qu'avec la Royal Navy, on contrôle quasiment le monde entier. Donc investissons sur l'aviation en priorité, et Pétain, alors qu'il appartient à l'armée de terre, dit « La priorité doit être donnée à l'aviation. » C'est rarement tout cela pour dire que le général de Gaulle, le futur général de Gaulle, n'a pas été seul durant cette période à proposer une formule nouvelle l'organisation des forces. Le colonel Aléo, beaucoup d'autres généraux, ils sont moins une dizaine, le général Vautier. Le général Vautier, auquel vous avez consacré une biographie que je n'ai pas citée tout à l'heure d'ailleurs. Ils sont tous à la même ligne, il faut un état-major des armées et il faut une aviation puissante de chasse, de bombardement stratégique au loin, mais également d'appui des troupes au sol. Alors nous arrivons malheureusement à la fin de cet entretien. Je vous rappelle donc l'ouvrage de Max Schiavon, Weygand l'intransigeant, aux éditions Talendier, qui vient, je le signale, de recevoir le prix de la Légion d'honneur. Merci.